Nous sommes mercredi. Et le mercredi, entre 1978 et 1988, sourire aux lèvres, notre ami à tous, le génial dessinateur Cabu, prenait la route des studios de Récréa 2, où il dessinait en direct pour les enfants. Véronique Cabu, sa femme, se souvient du plaisir qu'avait Cabu chaque semaine. Il quittait la maison avec ses feuilles jaunes, ses grands cançons jaunes. Mmh. Il avait déjà commencé à réfléchir à quelques idées, mais c'était pas forcément, il les avait pas dessinées, parce qu'en fait, il dessinait sur place. Et surtout, ce qui me semblait le plus intéressant, le plus important, c'est qu'il rendait les enfants joyeux. C'était son plaisir, hein, franchement. C'était une récréation pour lui, c'est le cas de le dire, c'est récré à deux. Oh, encore, Cabu, il y avait longtemps. Mais tu te mets pas devant, là. Cabu repose à Châlons-en-Champagne, sa ville où il a grandi. Châlons, pour garder vivante l'œuvre multiple de Cabu, a créé avec sa femme Véronique la Duduche Tech, la Duduche Tech. Et depuis quelques jours et pendant un an, l'expo permanente est consacrée justement aux années Récréa 2. On y voit 140 dessins inédits, seulement montrés à la télé, dessinés en direct et qui n'avaient jamais été exposés. Trois thèmes, l'aventure télé avec toute l'équipe, Marabout de ficelle, initié par William Lémergie, qui avait fait rentrer Cabu dans l'équipe, et puis bien sûr, tous les dessins de Cabu jouant sur le joli petit nez en trompette de Dorothée. Mon talent graphique, c'est de trouver la petite chose qui va faire déborder le trait. Et ça lui est venu absolument naturellement. Son nez en trompette, oui. Attends, dévoré par son Saint-Bernard, le quinquagénaire meurt le lendemain. C'est épouvantable, tout ça drôle, toi. Alors, le dessin de la semaine? Ben, je voulais te prévenir, fais attention à Roxanne. Parce que tu sais, ces animaux... Recule-toi un petit peu, tu fais de l'ombre. Oui, alors... parce que si jamais il te mange le nez, oui. Tu vois, et qu'il le garde sous le tapis, oui. Un jour, tu vas le retrouver. C'est épouvantable. Ce génie du trait qui dessinait tout le temps, il dessinait les villes, les rues, les silhouettes, le jazz. Il a magnifiquement dessiné la musique, si j'ose dire, l'architecture, la vie. Il était heureux avec cette équipe et les enfants. Et il jouait le jeu des chansonnettes du fameux François Corbier. Véronique Cabu m'a raconté que ce matin, qu'à l'époque où triomphait l'école des fans, le goût de la caricature de Cabu, qui s'est illustré bien sûr au Canard et à Charlie Hebdo, s'était laissé aller un jour à Récréa 2. Un jour, il a dessiné Jacques Martin. Et Jacques Martin était un grand... qui faisait une émission de télé très populaire le dimanche, ouais. Et avec des enfants qui venaient, qui faisaient chanter, poser des questions. Oui. Et sauf que Cabu, il fait un dessin, l'école des pisseux. Dans l'émission de Récréa 2 en direct, d'accord. Alors ça s'est pas très bien passé, mais Jacqueline Joubert a été formidable, la mère d'Antoine de Caunes. Elle a dit, si vous demandez la tête de Cabu, ben moi aussi. Et finalement, il a été mis à pied 3 semaines. Eh oui, mis à pied quand même 3 semaines. Vous avez un an pour passer par Châlons-en-Champagne et la Duduche Tech. Vous pourrez acheter le 4e carnet consacré à Cabu. Puis vous verrez aussi ces 3 dessins qui montrent que dès la fin des années 70, début 80, Cabu est déjà en train de penser à tout ce qui va se passer aujourd'hui. Voilà Dorothée masquée comme son petit chien parce que la pollution de l'air, on en cause déjà. Déjà, Cabu évoque la violence faite aux femmes avec ce grand petit nez de Dorothée abîmé par une brutalité d'où qu'elle vienne. Et puis il a bien sûr dessiné ce symbole d'SOS racisme qui naissait à l'époque. Touche pas à mon pote, touche pas à mon nez. Là. Cabu, à Châlons, en Champagne.